Bienvenue sur Cornet TV pour ce dernier épisode récapitulatif de la saison 2026 et également dernier épisode de cette série sur F1-23 et le One My Team. Après une saison tout à fait formidable de la part de Cornet Racing Team, le Québécois Trace de Brake a remporté le titre de champion du monde pour une troisième fois en quatre saisons. Et grâce aux performances de la Colombienne Tatiana Calderon, eh bien l'écurie a su remporter son premier titre constructeur de son histoire. 7 victoires pour 10 courses remportées par la CRT. La meilleure saison de l'histoire de l'écurie québécoise qui peut être fière de son parcours. Avant de parler de statistiques, faisons un retour complet sur les 10 Grands Prix du calendrier 2026. Lors de la première manche de ce championnat, Miami était l'hôte de ce début de saison et l'histoire a été écrite par Tatiana Calderon qui a remporté son premier Grand Prix en carrière. Premier Grand Prix également pour une femme en Formule 1 et un magnifique doublé chez Cornet Racing Team. Tout un début de saison pour cette écurie québécoise. La deuxième course était en Italie à Imola et cette fois-ci, c'est Trace de Brake qui a démontré sa supériorité alors que Calderon a dû abandonner. Leclerc monte également sur le podium pour une deuxième course consécutive, démontrant sa volonté à remporter son premier titre de champion du monde en cette saison 2026. Lors de la troisième course, le Monégasque remporte une course à domicile alors que Trace de Brake voit sa voiture partir en fumée. Ferrari marque de gros points et oui, on peut confirmer qu'elle est l'écurie à battre pour cette saison avec Red Bull et Cornell City Team comme principaux opposants. À Montréal, pour la quatrième course de la saison, Trace de Brake vit le drame avec un autre abandon devant famille et amis. Toutefois, les réjouissances sont toujours présentes pour Calderon qui remporte une deuxième course cette année devant les deux voitures Red Bull. Cornell City Team continue de progresser au classement constructeur. Lors de la cinquième manche en Autriche, eh bien Perez et De Brake ont lutté férocement. Demeure que le Québécois va remporter la course devant Lawson qui monte sur la troisième marche du podium pour la toute première fois de sa carrière. Leclerc termine deuxième, dévoilant un duel Leclerc-De Brake pour le titre de champion 2026. Lors de la sixième manche, Leclerc remporte sa deuxième course de la saison devant Russell et Verstappen en Grande-Bretagne. Calderon termine huitième alors que Trace de Brake voit la fiabilité de sa voiture le lâcher encore une fois. La lutte entre Ferrari et Cornish Team demeure impitoyable. Quant à la 7e course de la saison, De Brake réalise un dernier appromi aux Pays-Bas devant Sainz et Russell et remonte au classement pour se rapprocher de Charles Leclerc. 16 points les séparaient à ce moment du championnat. Au 8e Grand Prix, malgré plusieurs événements marquants, De Brake remporte la course au Brésil devant Russell et Piastri. McLaren progresse tout comme Mercedes alors que Leclerc ne marque aucun point ayant dû abandonner lors du sprint. Le Québécois reprend la tête du classement pilote avec 16 points d'avance. Lors de la 9e manche de la saison au Portugal, Oscar Piastri remporte sa toute première course en carrière après avoir réalisé une course sans erreur. De Brake termine 4e malgré deux visites hors piste. Leclerc et Norris complètent le podium qui fut particulièrement fort intéressant pour l'écurie orangée. Et finalement, 10e course de la saison à Las Vegas, Trace de Brake remporte le titre devant Leclerc qui a subi un dramatique abandon. La Cornet Racing Team en profite pour décrocher son premier titre constructeur avec Calderon dans les points. Toute une fin de course à l'avantage aussi de Red Bull qui voit Perez et Verstappen sur le podium. Une saison qui fut ma foi spectaculaire en tout point. Suite à ce résumé de la dernière saison, voici les statistiques pour 2026. Avec 170 points, Trace de Brake surpasse Charles Leclerc par 37 points, alors que Tatiana Calderon termine 7e avec 70 points. Le duel pour la 3e place fut fort intense avec Verstappen qui a devancé Perez par 4 points avec 110 points au total. Sur une note négative, 5 pilotes n'ont pas marqué de points en 2026, soit Zhou, Hülkenberg qui prend d'ailleurs sa retraite, Sargeant, Stroll et De Vries. Quant au classement constructeur, Cornet Racing Team devance Ferrari par seulement 3 minces points, soit 240 contre 237. Red Bull termine 3e avec 216 points, suivi de McLaren avec 148 points. Mercedes complète finalement le top 5 en devançant Aston Martin par 6 points seulement. Seuls AlphaTauri et Alfa Romeo n'ont pas marqué de points en cette saison. Pour continuer, voici le calendrier officiel de 2026 avec les résultats de chaque pilote. Félicitations à Trace de Brake pour ses 6 podiums et ses 7 tours les plus rapides. Il a également remporté 5 Grands Prix pour effacer ses 3 abandons causés par des ennuis mécaniques. Charles Leclerc a passé bien près de terminer premier avec 6 podiums et 2 victoires, mais ce ne fut pas suffisant. Tatiana Calderon remporte 2 Grands Prix, celui de Miami et celui de Montréal, en plus d'établir une seule fois le tour le plus rapide. Oscar Piastri est le vainqueur d'un Grand Prix en 2026 grâce à sa sublime performance au Portugal. Quant aux autres pilotes, il n'y en aura pas eu de facile. Quelques moments forts avec les podiums de Pierre Gasly, Lawson et George Russell. Voici maintenant le tableau de performance et l'analyse des experts. Aston Martin termine au sommet, mais n'a pas su obtenir les résultats attendus, contrairement à Cornet Racing Team, qui a développé une voiture de plus en plus compétitive année après année, Grand Prix après Grand Prix.
Quant à Trace de Break, toute une carrière pour le pilote propriétaire québécois. Toute une saison 2026 avec des victoires à Imola, Spielberg, Zandvoort, Sao Paulo et Las Vegas. Il termine sa carrière avec 560 points, 15 victoires, 19 podiums, 14 meilleurs tours, 2 pôles positions et surtout 3 championnats des pilotes et 1 championnat constructeur. Tout simplement phénoménal! Lors de ces 4 saisons, nous avons observé une évolution marquante de la CRT avec Trace de Break et Tatiana Calderon. Afin de conclure le tout, voici une surprise musicale. C'est la fin de cette série de Formule 1. Trace de Break est champion, en être estimé champion. Merci d'avoir suivi leur histoire. Merci pour vos encouragements. On se retrouve pour une nouvelle série avec F1 24 bientôt. Chargeons les